j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un haul back to school, donc spécial rentrée scolaire. Ça y est, d'ici quelques jours les enfants vont reprendre le chemin de l'école, et donc pour Mila ça va être sa première rentrée scolaire, donc elle va intégrer bien entendu la petite section des maternelles. Et comme tous les mamans, bien souvent quand ça annonce une rentrée scolaire, ben on achète des nouveaux vêtements pour nos petits bouts. Moi en l'occurrence, c'est vrai que pour Mila je n'ai quasiment plus rien dans l'armoire. Enfin, je me comprends quand je dis ceci, c'est vrai que niveau automne-hiver qui arrive, eh ben je n'ai rien. Mila a grandi, bien que ça reste quand même un petit modèle, elle n'est pas très épaisse, mais c'est vrai que niveau longueur, ben les pantalons qu'elle avait l'année dernière, donc en l'occurrence durant l'automne et durant l'hiver, ben ils ne lui vont plus. Donc elle mettait du 3 ans, là fallait que je passe absolument aux 4 ans. Et donc concernant son armoire, ben je n'ai rien en 4 ans, donc il fallait absolument que j'achète des nouveaux vêtements pour qu'elle ait de quoi s'habiller pour la rentrée. Alors moi j'ai essentiellement acheté que sur Vinted. Alors déjà de une, ça permet quand même d'économiser pas mal pour vous dire. De deux, j'ai trouvé vraiment de magnifiques pépites, franchement, bien que voilà, c'est des vêtements d'occasion, mais je trouve que sur Vinted on peut trouver de merveilleuses choses. Et de trois, bah, j'ai pas fait les soldes cet été, donc voilà, les prix des vêtements, franchement moi je trouve que c'est quand même assez cher, surtout que les enfants, enfin du moins Mila, elle me flingue assez vite les vêtements, voilà, ça tombe, ça te troue les vêtements, enfin ça les abîme quand même assez vite. Donc franchement, claquer 20 euros dans un jeans, non merci. Donc voilà, moi j'ai acheté sur Vinted. Allez, on va débuter ce haul de suite. Alors vous allez voir que j'ai acheté essentiellement des pantalons, mais aussi des petits pulls. J'ai également trouvé quelques petites robes, mais il faut encore que j'en trouve parce que Mila, elle est vraiment très très robe, c'est une nénette en fait. Elle ne veut quasiment que mettre des robes. Quand il s'agit de l'habiller le matin, la première chose qu'elle me dit, maman je veux mettre une robe. Alors je sais qu'avec l'arrivée de l'école ça va pas changer, elle va vouloir également mettre des robes, mais c'est vrai que niveau robe pour cet hiver et pour cet automne, j'ai pas trouvé énormément de choses. J'ai pas trop de robes manches longues, mais bon, je vais regarder de temps à autre sur Vinted, continuer mes petites recherches. Ensuite, qu'est-ce que j'ai également trouvé sur Vinted? Également des gros pulls pour cet hiver, voilà, au cas où. Je pense que je vais en racheter d'ici quelques temps également, parce que c'est vrai que nous, dans le Grand Est, les hivers sont quand même assez rudes. Et ensuite, j'ai également acheté des chaussures, mais par contre, là, les chaussures, je ne les ai pas achetées sur Vinted, voilà. Moi, c'est une des seules choses que je n'achète pas en occasion pour les enfants. Ce sont les chaussures, parce que tout simplement, ben, je n'aime pas. Donc ça, j'ai acheté au magasin Chaussea, donc je vais également vous montrer ce que je lui ai pris. Bref, allez, nous allons débuter ce haul de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai trouvées. Donc je vais commencer par les pantalons, vous allez voir, et il y en a pas mal. Alors je ne vais pas faire de close-up hein, parce que tout simplement ça inclurait que je dois habiller, redéshabiller Mila, enfin voilà le gros bordel, donc je risquerais de la saouler. Et puis tout simplement parce que je n'affiche pas non plus mes enfants pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Mais bon voilà, comme dit le principe, l'essentiel c'est que vous voyez ce que je lui ai acheté. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit jeans de couleur rose framboise. Franchement il est assez mignon. Alors je me répète encore une fois, tout ceci j'ai acheté sur Vinted, donc je ne pouvais pas vous dire les prix, parce que voilà, bien souvent ce sont des lots que j'ai pris, donc je ne peux pas vous afficher le prix tout simplement. Donc voilà, un petit pantalon rose comme ceci avec quelques petites déchirures. Vous savez, ça c'est la grande mode également, donc ça se tombe très très bien. Alors le pantalon normalement il vient de Kiabi, donc je l'ai pris en taille 4 ans, enfin j'ai quasiment tout pris en 4 ans il me semble. Donc voilà, un premier pantalon. Ensuite, toujours un peu de la même sorte, d'ailleurs ça vient également de Kiabi à la base. Donc un deuxième comme ceci, d'une couleur grise qui est également très sympa. Personnellement, ça change du jeans basique. Moi, j'aime bien lui mettre des couleurs de temps à autre, voilà, parce que comme je l'ai dit juste à l'instant, et ben ça change. Donc là, il est un peu d'une couleur grise, mais il est exactement fait pareil que celui-là d'avant. Donc aussi quelques petites déchirures comme ceci. Donc également en taille 4 ans. Alors par contre j'ai oublié de préciser, moi quand j'achète des vêtements pour Mila, que ce soit en magasin ou sur Vinted, je regarde toujours qu'il y ait en fait les élastiques pour pouvoir lui attacher en fait, enfin pour pouvoir lui serrer, parce que Mila est une taille vraiment très très fine. Enfin après voilà, moi non plus je suis pas très épaisse, mais c'est vrai que bien souvent Mila niveau longueur, et ben
soit c'est court en fait, mais alors niveau taille, et bien souvent ça ne lui tient pas, donc il faut que je puisse lui rétrécir. Donc ouais, souvent je regarde que s'il y a les petits élastiques comme cela pour que je puisse lui serrer au maximum. Ensuite, toujours un autre pantalon, donc je suis déjà au troisième pantalon, je vais vous dire, j'en ai pris au moins une dizaine des pantalons, franchement. Je suis allée à fond pour les pantalons, j'en ai trouvé un comme ceci, donc tout basique, tout simple, un jeans, voilà, rien de plus. Donc celui-là, apparemment, c'est Tissaya, donc ça c'est le clair, si je ne me trompe pas. Donc toujours en taille 4 ans. Ensuite, un autre pantalon, donc celui-là il est un peu plus foncé que le précédent, je trouve qu'il est assez sympa également. Donc pareil, taille 4 ans, orchestra cette fois-ci. Et à l'arrière, sur les poches, nous avons des petits motifs de couleur rose comme ça. Donc il est assez sympa également. Donc là, pareil, hein, il y a les fameux petits élastiques pour que je puisse lui resserrer. Parce qu'autrement, la pauvre petite, elle risque de se retrouver en culotte dans la cour de récré. Donc voilà, je fais très attention à ceci. Le prochain, il est un peu plus girly, franchement il est trop trop beau, il a une trop belle couleur, en plus vous voyez bien le rendu, je trouve à la caméra c'est vraiment une couleur rose assez flashy. Personnellement j'adore la couleur rose, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, donc c'est vrai que les filles bien souvent elles sont en rose. Donc ça, il n'y a pas de marque, mais bon voilà, ça vient de Vinted hein, comme je vous l'ai dit, donc c'est taille 4 ans. Les élastiques qui sont également présents, les poches c'est assez mignon, il y a également des petits motifs comme cela. Ensuite, encore des pantalons. Je vous ai dit, je ne sais même pas à combien tièmes je suis, mais j'ai quasiment que pris des pantalons parce que c'est vrai, niveau pantalon, je n'ai plus rien pour Mila. Donc là, j'ai vraiment fait le plein. Et en plus, bien souvent, les filles, les filles auxquelles j'ai commandé ces vêtements, et bien souvent, elles faisaient des lots. Donc voilà, j'ai profité. Donc un autre pantalon donc comme ceci, donc c'est un bleu marine plus foncé, donc voilà, rien de plus simple également. Alors par contre celui-là il a un peu plus effet jegging, vous savez, donc un peu plus serré près du corps. Donc par contre il n'a pas, vous savez, les fameux élastiques celui-ci, parce que tout simplement voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un jegging, c'est assez élastique. Donc je lui ai essayé bien entendu tous les pantalons et franchement ils vont nickel, même celui-ci, bon il est un peu... il baille un peu derrière, mais voilà, rien de bien méchant. Elle risque pas de se retrouver, comme je vous l'ai dit, en culotte face à ses camarades. Voilà, il lui tient quand même bien malgré tout. Donc celui-là, pareil, c'est un Tissaya, donc ça va venir également du Leclerc. Ensuite, un autre de couleur rose, mais il est un peu moins flashy que le précédent. Et il est un peu plus en jeans. L'autre, il était... Ah, non, l'autre, il était également en jeans, mais ouais, il est un peu... Il est fait d'une matière différente. Franchement, il est très sympa également. Donc là, pareil, au niveau des genoux, nous avons une petite couture. Franchement, il fait assez habillé, je trouve. Franchement, je trouve qu'il est très mignon. Donc ça, c'est un 4 ans également, donc qui vient d'orchestra à la base. Sur les poches, nous avons des petites étoiles comme ça, les tirettes, franchement. Je trouve qu'il est trop trop beau. J'ai vraiment craqué sur celui-ci. Donc pareil, hein, comme je vous l'ai dit, il y a les élastiques pour... lui serrer à la taille. Bon, on continue dans les pantalons tant qu'à faire. Hein, je suis lancée. J'ai trouvé celui-ci. Donc, il est un peu plus rose poudré. Franchement, il est très sympa également. Et là, pareil, c'est un effet jeggings. Donc, à la base, ça vient de Kiabi. Donc, toujours en 4 ans également. Donc, franchement, il est assez sympa. Alors moi j'adore le rose, hein, ça je ne vais pas me répéter 15 fois, en plus vraiment une autre couleur poudrée. Là pareil que le précédent, que le bleu marine que je vous ai montré, il n'y a pas les fameux élastiques vous savez, mais bon pareil, il tient quand même assez bien encore, vu quand même que c'est une matière élastique justement. Alors là un autre pantalon dont j'ai vraiment craqué dessus, pareil c'est encore du rose, enfin il y a beaucoup de rose forcément parce que voilà... C'est une petite nénette que je suis en train d'habiller. Donc il a un peu une couleur un peu plus rose claire. Enfin, vous voyez pas trop en vidéo. Enfin, je sais pas si vous voyez bien le rendu. Ouais, il a un peu plus... ouais, il a une couleur rose saumon. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un peu plus un rose saumon. Donc apparemment, la marque, c'est Terre de Marin. Alors par contre, je viens de voir, c'est un 3 ans. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ou est-ce que c'était dans un lot? Donc du coup, je pense que c'était dans un lot. Donc j'ai pas forcément fait attention. Mais là, pareil... Il tient très bien Mila, voilà, parce que tout simplement, il y a ces fameux élastiques. Et puis bon, niveau longueur, franchement, pour du 3 ans, je trouve qu'il est quand même assez grand. Voilà, Mila, c'est vraiment pas un grand modèle, ni un gros modèle, pour vous dire. Donc,
terre de marrage, je crois que c'est également le clair, je suis pas certaine. Bref, le prochain pareil, couleur bleu marine qui est ainsi. Je vous ai dit, j'ai vraiment pris le plein niveau pantalon parce qu'il m'en fallait absolument. Mais là, franchement, il faut que je la change tous les jours parce que quand elle mange, bien souvent, elle s'en met partout. Et puis là, je me dis, dans la cour avec ses camarades, le sable, machin, quand c'est mouillé, ça va être pareil. Il va falloir que je la change tous les jours. Donc, il me faut du stock niveau pantalon. Donc là, c'est Kiabi. Donc, c'est un tout basique hein, de couleur bleu marin. Il y a tout qui va tomber. Le prochain, c'est un jeans. Donc ça, c'est un peu plus basique. Donc franchement, c'est très très long pour du 4 ans. Enfin voilà, moi, Mila, elle est petite. Donc c'est vrai, je vais devoir quand même, dans un premier temps du moins, devoir lui retrousser en bas, vous savez. Le 3 ans est trop court pour elle. Et le 4 ans est trop long en fait. Il faudrait un juste milieu pour elle. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je préfère lui prendre plus grand que je puisse retrousser, qu'elle aille aux fraises, hein, comme on dit. Voilà, c'est beaucoup plus sympa que voilà. Après, quand il pleut, elle aurait les pattes mouillées. Donc voilà, donc c'est un 4 ans. Donc tout simple, un jeans basique. Donc là, c'est un skinny fit de Kiabi. Et pour finir, dernier pantalon. Si je ne me trompe pas, s'il n'y en a plus un qui s'est glissé entre les pulls. C'est aussi un jeans basique, voilà, tout simple, rien de plus simple. La marque Pink Ouir, ou je sais pas trop, je connais pas trop. Donc voilà, un jeans tout simple. Donc voilà, concernant les pantalons, donc j'en ai pris, comme je vous l'ai dit, un sacré stock. Je crois que je dois avoir une dizaine. On va passer au pull de suite. Alors j'ai compté, j'ai pris 12 pantalons pour tout vous dire sur Vinted. D'ailleurs je vous dirai le prix à la fin de cette vidéo, combien j'en ai eu sur Vinted pour tous ces vêtements, histoire que vous ayez un meilleur aperçu, que vous voyez qu'au final sur Vinted ça vaut vraiment vraiment le coup. Parce qu'en magasin, si j'aurais pris tout ceci, je peux vous dire que j'en aurais largement eu pour plus. De plus là il y a quand même les frais de port également. Bref, je vous dirai ça en fin de vidéo pour combien j'en ai eu au total. Et donc concernant les pulls, donc là je vais passer au gros pull, hein, un pull un peu plus épais, donc pour cet hiver. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, je le trouvais trop mignon, donc c'est Hello Kitty. Donc ça fait un peu plus hiver, hein, comme vous voyez avec les petits moufs, franchement je trouve qu'il est assez sympa. Alors par contre celui-ci, elle avait précisé, la fille auquel j'ai acheté ce vêtement, qu'il y avait une petite tache en fait là-dessus, et au final moi j'ai réussi à la faire partir. Donc nickel, donc il est un peu en laine, donc franchement Mila elle adore les chats en plus, Hello Kitty, voilà, les enfants de cet âge, ils adorent. Alors par contre je peux pas vous dire d'où il provient ce vêtement à la base, parce que tout simplement c'est pas écrit sur l'étiquette, et puis au pire on s'en fout parce que je pense pas que vous puissiez le retrouver en magasin. Un autre pull que je vais trouver, donc toujours Hello Kitty, franchement celui-là j'ai trop craqué dessus, il est un peu plus sweet, donc voilà, comme cela, Hello Kitty, pareil, donc il y a écrit Smile. Hello Kitty, franchement, je trouve qu'il est hyper sympa. Au niveau des coudes, il y a des petites choses comme ceci, voilà, des, je sais pas comment on appelle ça, voilà, de couleur rose. Franchement, je trouve qu'il est hyper mignon également. Ensuite, un polaire comme cela, voilà, très très simple, rien de plus simple. Donc, par contre, il est de couleur rose, rose flashy. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il est trop trop beau. Voilà, pour cet hiver, ça ira très très bien pour traîner à la maison. Ça fera également très bien l'affaire, c'est un basique. Hein. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-là, j'ai trop aimé, j'ai trop craqué dessus. Donc celui-là, il vient de Kiabi. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, mais à mon avis, je pense pas. Hein. Ça doit être des anciennes collections. Donc taille 4 ans, Kiabi avec écrit Mood. Donc, de cette façon, donc pareil, couleur rose framboise, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre pull. Donc celui-là, voilà, c'est un basique. Bon, celui-là, je pense que je vais le mettre un peu plus pour... la maison, enfin quoi, il est pas moche, hein, il est pas vilain, il est comme ceci, donc c'est un peu un effet suite, mais là il est en fait molletonné en fait, un peu en peau de mouton, enfin c'est pas du mouton, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu, ouais, un peu comme les moutons, donc comme cela, franchement il est également très sympa, voilà, après il est tout simple, hein. Bon voilà, ça fait très très bien l'affaire, en taille 4 ans également. Un autre pull que je vais trouver, alors celui-là pareil, j'ai craqué dessus, je trouvais qu'il est trop... Pourtant c'est des choses très très simples, très basiques que je lui ai pris, voilà, pour une enfant de 4 ans. Je vais pas commencer à lui faire faire des défilés de mode, bien que voilà, ils font des choses très mignonnes. Mais voilà, pour l'école, avec la peinture, machin... Franchement, j'ai travaillé en école maternelle et je peux vous dire que... Avec les activités qu'ils font, il vaut mieux pas trop claquer des sous dans les vêtements. Enfin, après voilà, chacun... Parent libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que Mila, elle ne fait pas attention du tout à ses affaires. Donc voilà, moi je vais pas claquer des sous dans des marques. Voilà, je prends des choses tout simples sur Vinted.
Donc voilà, un pull basique, couleur rose, un peu rayé comme cela, voilà, qui est quand même assez près du corps, en col roulé. Donc ça c'est du 4 ans et je me demande si ça vient pas de Kiabi. Ah non. Non, je sais pas d'où il provient, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi personnellement j'aime bien les choses simples. Après j'aime bien habiller mes filles très très bien, enfin surtout le week-end, voilà, surtout le dimanche, voilà, j'aime bien. Mais après c'est vrai que la semaine, voilà, quand on fait rien surtout, hein, faut dire, moi je les habille tout simplement. Un autre pull que j'ai également beaucoup aimé, donc il est un peu plus en effet laine. Alors je sais pas si vous allez voir, donc, ah oui, voilà comme ça. Donc il y a des petits motifs comme cela, franchement il est très très simple également. Donc en col roulé, alors j'ai bien entendu relavé tous les vêtements, bien que les vêtements que j'ai reçus franchement quand j'ai ouvert, ils sentaient vraiment très très bon. Voilà. Après je suis tombée sur des bonnes Vinted. On peut faire de mauvaises expériences également sur Vinted, bref on n'est pas là pour faire un débat sur Vinted. Mais donc voilà, donc celui-là il vient de Orchestra, donc pareil en taille 4 ans, donc voilà, après 4 ans c'est vrai que pour Mila c'est un peu grand, enfin un peu grand, ça lui va, mais c'est vrai que niveau longueur des manches, c'est pareil, c'est un peu long, mais bon c'est pas grave, hein. Vous retroussez au pire. Donc voilà concernant les gros pulls que je lui ai trouvé, je vais passer aux robes de suite. En gros pull j'en ai pris 7, donc là on est déjà à 19 articles de vêtements. Alors niveau robe, franchement j'ai pas pris énormément pour l'instant, hein. Je pense que je vais racheter des vêtements au cours des mois. Donc j'ai trouvé cette petite robe, voilà, comme cela. Donc là il y a un peu des paillettes comme ça. Donc, franchement assez sympa, couleur noire, voilà, tout simple. Voilà, j'ai quand même pris des robes pour Mila, voilà, elle aime bien mettre des robes. Donc voilà, tout ça. Alors par contre la taille, il me semble que c'est pas le 4 ans. Je vais vérifier, enfin je sais pas si c'est celle-là ou si c'est l'autre que je vais vous montrer. Mais alors, non c'est pas celle-là qui n'est pas du 4 ans, donc celle-là c'est du 4 ans. Donc celle-là elle était bien taillée, c'est celle-là je crois, ouais voilà c'est celle-là. Donc là pareil, elle est quasiment identique que la précédente, sauf que voilà il y a un peu plus de trucs comme cela, hein, voilà. Elle est ainsi. Donc celle-là par contre elle a été affichée en 4 ans sur Vinted. Bon comme je vous l'ai dit, bien souvent c'est des lots que j'ai pris. Donc voilà, mais en fait c'est pas du 4 ans, c'est du 6 ans. Alors je sais pas si c'est une erreur de la part de la fille ou si au final il taille très petit. Mais je l'ai essayé à Mila, mais ouais elle lui va en fait. Donc à mon avis c'est pas du 6 ans parce que ça va à Mila. Et franchement normalement en 6 ans Mila elle nage complètement dedans. Donc voilà, je pense que voilà la taille ne correspondait pas. C'est pour ça qu'elle avait affiché 4 ans la fille. Une autre robe que j'ai pris pour Mila. Alors par contre c'était le lot, vous allez voir avec la prochaine, c'était un lot en fait. Les deux là je me souviens. Donc voilà, c'est une robe basique, couleur rose poudrée également, donc en taille 4 ans. Là, il y a une fleur dessinée dessus, donc une rose, donc toute simple avec des volants comme cela. Et donc, elle allait en fait, c'était un lot avec celle-ci. Donc moi, j'ai plus craqué pour celle-ci, pour tout vous dire. L'autre, je trouve que... Pourtant, j'adore le rose, mais ouais, elle a un peu une couleur rose délavée. Donc c'est un peu la couleur qui me chiffonnait, mais bon... Voilà, elle reste quand même mignonne. Donc moi c'est tout pour celle-ci que j'ai pris le lot en fait. Voilà, la fille vendait en lot. Donc voilà, j'ai pris les deux. En plus à bas prix. Donc tant qu'à faire, on va pas faire la difficile à propos d'une couleur. Donc elle est de couleur bleu marine, celle-ci. Donc il y a des petits flots ainsi. Donc toujours avec des volants hein, en bas. Avec un petit nœud papillon. Voilà. Donc, franchement, elle est très mignonne. Moi j'aime beaucoup. Et Mila, elle adore les robes. Donc, voilà, je me suis dit, je la prends avec écrit 4 styles. Donc voilà, c'est tout au niveau robe, j'en ai pas pris beaucoup, enfin du moins j'en ai pas trouvé beaucoup, enfin moi je pouvais essentiellement trouver des pantalons et des pulls, donc niveau robe j'en ai pris 4. On va passer aux pulls un peu plus pour cet automne qui sont un peu moins épais que les précédents que je vous ai montré. Donc là pareil, je vais y aller pour vous montrer parce que pareil j'en ai pris 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai pris 14 pulls. Mais là, comme je vous l'ai dit, moi, tout ce que j'ai pris là, c'était quasiment que des lots. Donc, et en plus, des lots vraiment pas chers. Je suis vraiment tombée sur une Vinted qui limite bradait les vêtements. Donc voilà, j'en ai profité. Donc, premier petit pull donc, qui est ainsi avec une petite fillette. Voilà, un pull basique, couleur rose, taille 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Broche fleur. Mon top trop beau. Enfin, voilà. Un pull petit basique tout simplement qui ira très bien avec les jeans à l'école. En deuxième
Il y a celui-ci, pareil, très très mignon, couleur un peu plus rose orangé, enfin je sais pas si vous voyez en vidéo, enfin voilà. Donc, pareil, une fillette qui promène son chien qui est ainsi. Taille 4 ans, là par contre au niveau des manches, il y a des sortes de coutures, vous savez, pour un effet un peu plus serré. Après j'espère que ça ne va pas déranger Mila, mais bon, je ne pense pas. Alors celui-là, pareil, je vais demander à la Vinti si elle ne pouvait pas me l'échanger avec un autre pull. Et au final, elle m'a dit, écoute, je ne te l'échange pas, vu le lot que tu m'as pris, je te l'offre. Donc elle me l'a offert, je pense que c'est trop gentil. Donc c'est un pull basique pourtant, mais j'ai trop aimé en fait, avec un jean, ça fait, voilà, ça fait quand même tout de suite habillé. Donc il y a écrit Love New York, donc de couleur blanc. Alors par contre, les pulls de couleur blanc avec Mila, hein, ça reste pas longtemps blanc. Un deuxième pull de couleur rose comme ceci. Alors il y en a, ils appellent ça des sweatshirts il me semble. Voilà, moi j'appelle ça des petits pulls, hein, voilà. Donc là par contre, summer, donc bien que l'été est fini, mais bon, c'est pas grave, voilà. Un basique également. Ensuite, un pull de couleur gris pour changer. Alors avec écrit rock sur les manches, il y a également écrit des petites choses. Donc il y a écrit partie sur une. Et sur la deuxième, il y a écrit 1, 2, 3. Donc, voilà, qui est également très très simple. Enfin franchement, ça fera également des tenues assez sympathiques pour l'école et même pour la maison. Voilà, franchement, faut dire ce qui est. Ensuite un autre pull, donc comme cela, avec écrit Angel, couleur mauve également, donc Perfect Angel, qui se parle très très bien à Mila qui est un ange. Bref, c'est de l'humour. Donc pareil, en taille 4 ans. Donc celui-là, il vient qui habille quand c'est écrit et quand je fais attention, je vous le dis. Donc couleur blanche, donc là c'est une fille avec les planètes autour. Donc pareil, un basique, hein. Voilà. Rien de plus simple. Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment pris des choses très très simples. Voilà, ça fera très très bien l'affaire. Là, un bleu marine cette fois-ci. Donc par contre, là sur les épaules, il y a des petits motifs. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Alors, voilà, comme cela. Donc très très sympa également. Ça, sur un, franchement, du bleu marine sur un pantalon moutarde. Alors ça, je vous en ai pas montré, mais bon, j'en ai dans l'armoire encore. Pour Mila, voilà, ça fait un petit look sympa, moi je trouve. Ensuite, celui vient de Hokkaidi normalement, donc c'est avec un papillon couleur gris foncé qui est vraiment très très joli. Le prochain est de couleur rouge, comme ça. Alors ça, j'ai beaucoup aimé avec l'effet un peu ceinture comme cela. Franchement, je trouve qu'il est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc là pareil, hein, taille 4 ans toujours et encore. Alors ça par contre, voilà, ça c'est par contre plus un sous-pull, voilà. Un basique, hein, tout noir, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'était des lots, donc voilà, je n'avais pas commencé à faire ma petite difficile. Quand j'ai vu le prix, franchement, j'ai sauté dessus. Alors là par contre, Mila, elle a adoré celui-là. Alors quand je lui ai montré tous les habits que je lui ai pris pour... entre guillemets l'école, hein, elle va également les mettre à la maison. Elle voulait déjà les mettre, je lui ai dit non, peut-être pas, il fait quand même chaud Mila là dehors, tu vas pas déjà commencer à mettre les pulls. En plus celui-ci, il est un peu sur le thème Noël, donc c'est avec Marie, voilà, le chat de Disney, donc Merry Christmas. Donc voilà, n'allez pas les mettre en plein été, c'est certain. Le prochain de couleur gris également, donc voilà, avec écrit dessus Be Star, Shine et Rise. Mon anglais et moi, hein. Et pour finir, dernier petit achat pour Mila, c'est ceci. Alors celui-là, il ira très très bien pour aller à l'école, franchement. Les copines avant tout, donc d'une couleur un peu jaune, assez flashy quand même. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, les copines avant tout. Donc voilà, concernant tous les articles que j'ai achetés pour la rentrée pour Mila. Je viens tout juste de faire le total de tous les articles que j'ai achetés. Donc en tout, j'avais 37 articles de vêtements. Il y a Lesia qui m'a rejoint, c'est pour ça que vous l'entendez. Donc 37 articles et j'en ai eu en tout pour même pas 70 euros, pour vous dire, 67 euros et quelques centimes. Sachant qu'il y avait également les traits de porc. Alors, en y réfléchissant, j'ai fait vraiment de très très bonnes affaires. Parce que vous allez en magasin, ne serait-ce qu'en achetant 12 pantalons, vous en sortez déjà pour plus de 70 euros. Voilà, je suis certaine de moi. Donc ouais, j'ai vraiment fait une bonne affaire. On peut dire, enfin,
De toute façon, sur Vinted, je trouve que vous trouvez de très très belles choses, que ce soit niveau vêtements pour les enfants ou même pour nous-mêmes. Moi, c'est vrai que très souvent, j'achète également sur Vinted, ce que je trouve également de très très belles choses. Après, voilà, il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes et c'est pour ça qu'il faut très souvent se fier aux évaluations. Mais ouais, franchement, je suis très très satisfaite de mes achats jusqu'à maintenant sur Vinted. Bon, sinon je vais vous montrer les derniers achats que j'ai effectués pour Mila, donc pour l'école, enfin pour la rentrée scolaire entre guillemets. Donc on va passer aux chaussures. Alors pour les chaussures, par contre, je les ai pas achetées sur Vinted comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ça, j'achète pas sur Vinted, enfin, surtout pour les enfants niveau chaussures. Voilà, moi je préfère acheter en neuf. Donc tout d'abord, il me fallait une paire de pantoufles pour l'école pour Mila, donc je lui ai trouvé celle-ci. Donc je lui ai pris des scratch par contre, parce que je lui ai essayé une paire en magasin avec une tirette et franchement de la vraie merde, tout vous dire. J'ai tiré dessus, j'avais la tirette en main, donc j'ai dit ah non, je vais pas prendre avec tirette, je vais prendre à scratch. Voilà, ce sera également plus facile pour Mila pour les enfiler à l'école. Alors normalement Mila met du 24 au pied, mais quand je lui ai essayé les pantoufles en magasin, donc c'est du chausséa, j'ai oublié de préciser, je trouvais que le 24 c'était un peu trop petit, donc du coup je l'ai pris en taille 25. Elles sont trop mignonnes, c'est avec des petits renards comme ceux-là, donc à scratch. Donc elles ont coûté 7,95 €. Ensuite, en chaussures, je lui ai pris tout d'abord cette paire de bottines comme cela. Donc assez simple également, de couleur noire. Donc il y a des petits cœurs. Alors je vais essayer de vous en montrer une si ça veut bien faire la mise au point. Donc voilà, comme ceci. Donc il y a des petits cœurs. Franchement, elles sont trop mignonnes. Donc là, par contre, je les ai pris en taille 24. Voilà, parce que ça va très bien à Mila. Et puis elle a encore un peu de place. Voilà, elle n'est pas trop serrée non plus. Pour fermer, voilà, c'est à tirette en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, pas trop. Donc voilà, c'est avec des tirettes. Et leur prix était de, je vais regarder sur la boîte, de 24,95 €. Et pour finir, dernier petit achat pour Mila niveau chaussures. Je lui ai pris des baskets tout simplement de couleur noire. Donc pareil, en taille 24. Franchement, j'ai craqué dessus. Je trouve qu'elles sont hyper mignonnes. Donc voilà. Tout ça, voilà, elles sont ainsi. Donc c'est des baskets rien de plus basique. Là il y a un peu un effet arc-en-ciel couleur noire. J'ai beaucoup aimé les lacets, vous savez les lacets sont ah vous n'allez pas voir, c'est comme ça, non, enfin ouais, franchement les lacets sont assez sympas. Là pareil, la fermeture avec tirette, voilà, je trouve ça très pratique. Comme ça je noue la chaussure à Mila et après elle a juste en fait à l'enlever avec la tirette ou à la refermer. Voilà, rien de plus simple. Donc en taille 24 et leur prix était de 19,99 €. Donc pour chausséa, pour ces trois petits articles, j'en ai eu pour 52,89 €. Et donc voilà concernant ce haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, moi j'achète très très souvent les vêtements sur Vinted, que ce soit pour les enfants ou même pour moi-même. D'ailleurs pour les enfants, je trouve que c'est vraiment très très pratique, parce que déjà de une, je trouve qu'ils grandissent vraiment très très vite. Donc des fois, bien souvent, ils mettent pas les vêtements très très longtemps, donc c'est dommage d'investir je ne sais combien d'euros dans des habits qui vont mettre 5 fois maximum. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite, bien entendu. De deux, on peut trouver de très belles choses en occasion également. Après, bien entendu, il faut faire attention aux remarques, aux évaluations, etc. Et puis de 3, moi j'ai une enfant qui m'abîme très très vite les vêtements également. Voilà, elle met trop très très vite. Mais là c'est une enfant très très maladroite, elle me tombe très souvent. Donc voilà, un trou dans le jeans, ça va vite avec elle. Donc voilà, je préfère pas investir 20 € dans un jeans, je préfère voilà, dépenser 2-3 €. Voilà, ça fait moins mal aux fesses quand il vous flingue un vêtement à 5 € qu'un vêtement à 50 €, c'est certain. Enfin bref, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu comme je vous l'ai dit. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut !